Ami scientifique, expert ou bien en herbe. Des poils de chat, je m'en débarrasserai jamais. Fasciné par les mécanismes en tout genre. Ça c'est le froid des fêtes de Noël, mon vieux, qui descend comme ça là. Peut-être bien êtes-vous plutôt fan de robotique ou bien même de chimie. Moi perso, c'est des trucs vraiment que je kiffe. Mélanger de l'eau de Javel et du monsieur propre, faire tout exploser, foutre le feu un petit peu partout avec des expériences. Non, ça va, je déconne. On ne mélange surtout jamais de l'eau de Javel avec du monsieur propre. Et bien aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais certainement vous faire découvrir de nouveaux objets, de nouvelles réactions chimiques que vous n'aviez certainement encore jamais vues. D'ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019. J'espère que vous avez pris beaucoup de bonnes résolutions. C'est le début d'une nouvelle année, une nouvelle aventure, on revient tranquille en force avec de nouvelles vidéos sur la chaîne. J'espère vraiment qu'on va kiffer ensemble cette nouvelle année 2019, au moins autant que vous avez kiffé l'année 2018. Et je compte vraiment sur vous pour un max de soutien sous la vidéo, n'oubliez pas le petit like et également le petit commentaire, qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo pour cette nouvelle année 2019. Dites-moi tout ça, vraiment je vais prendre le temps de lire absolument tous les commentaires, comme d'hab en fait quoi. Et si vous êtes chaud de ouf, on préparera un deuxième épisode tous ensemble, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer dans le même style. Allez, je suis sûr que pour cette nouvelle année, on peut au moins faire péter les 2000 likes tous ensemble. Allez vraiment les gars les filles, je compte sur vous, vous me faites péter la barre des likes. Alors vous allez voir qu'on va y aller crescendo dans la vidéo, on va partir de petites inventions et tout, enfin quoi que petites, hein. C'est juste un coup de génie ce que le mec a fait. Et plus ça va aller, plus on va arriver dans des trucs de ouf. On retrouve beaucoup de ces vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pu en voir pas mal, surtout sur Facebook. Je suis abonné à pas mal de pages Facebook qui recensent justement ce genre de vidéos. Donc vraiment, c'est des trucs que je kiffe. Ouais, yes! On a une belle horloge qui se dessine et tout. 23h59. C'est plutôt cool, c'est absolument pas l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Oh yes! Alors ça, c'est super connu, ça a beaucoup tourné sur les réseaux fut un temps. C'est une pièce, tu la tournes. Et selon l'angle de vue, tu peux apercevoir soit des cercles, soit des losanges, soit des carrés. C'est magnifique. Franchement, c'est la science, c'est incroyable. Ouh, magnifique. Un joli petit barbecue. Plutôt l'idéal pour les petites grillades d'été. Tu vois ce que je veux dire? Ah, celle-là, elle est super connue. Elle est super connue, pareil. Elle a tourné à foison sur les réseaux. De toute façon, tout ce qu'on va voir ici, c'est des vidéos qui proviennent des réseaux sociaux. Je veux dire... Ah, c'est magnifique. Vraiment. D'ailleurs, je sais même pas comment que c'est fait ou quoi... Tu sais pas si c'est une impression d'ondulation. Ouais, ouais, c'est une impression. Moi, je pense. C'est une impression, quoi, tu vois. À moins que ce soit un vrai écran. Un vrai écran qui se déplie ou quoi. Ah ouais, ça aussi. Ça aussi, c'est stylé. Ça aussi, il me semble que je l'ai déjà vu sur les réseaux. Bah, de toute façon, vous voyez, vous avez les sources en bas de la vidéo. Ah ouais, stylé. Comment qu'on appelle ça, déjà? Vous savez, les trucs qu'on dessine avec les compas, là. Ça fait des espèces de flares. Oh putain, je sais plus comment qu'on appelle ça. Merde. Oh yes, le skateboard. L'overboard de retour vers le futur. Une tuerie. Ouais, bon bah ça c'est pas compliqué hein. C'est deux aimants avec une polarité inversée. Tu les poses, tac. Forcément, t'as la planche qui va l'éviter légèrement. Comment qu'on appelle les gens là, les trucs avec les compas là. Ah bah ça y est, je suis resté bloqué là-dessus mon vieux. Je vais passer toute ma vidéo là-dessus moi. Ah merde, j'ai oublié, dites-moi ça dans les commentaires. Vous savez, vous posez le compas sur une feuille là. Et vous dessinez, ça faisait une fleur et tout. Bref, je l'aurais peut-être retrouvé d'ici là. Ah ouais, yes! Il y a des trucs... Ça pareil, hein. Je pense que c'est un jeu d'aimant avec une polarité inversée. Soit un jeu d'aimant avec une... Ouais, 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 c'est ça. Soit un jeu d'aimant avec une polarité inversée, soit c'est par rapport au poids des pièces ou quoi... Il y a probablement pas mal de vidéos que vous avez déjà vues, soit parce qu'ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, ou soit vous ne les avez jamais vues, auquel cas on les découvre ensemble, et je suis très content vraiment de vous faire découvrir ces choses-là, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment des vidéos qui me fascinent, je trouve ça super fascinant. Tu te demandes comment ça a été possible ça par exemple? Alors est-ce qu'il n'y a pas un trucage ou quoi? Bon, la bague elle est forcément truquée. Ah ouais, ah ça aussi je connais. Ouais, ça j'ai déjà vu. Source, Pool Live... Full Live Aid. Ah ouais, c'est stylé. Tu te rends compte, toi, si t'avais une queue de billard comme ça pour faire toutes tes parties, tu niquerais tout à chaque fois, mon gars. C'est trop stylé. Ah yes, Iron Man. Oui, oui, oui. Yes. Tokugawa. N'empêche, bon, faut du... Ah, c'est quoi déjà ce logo-là, là, qu'il a sur son t-shirt? Je sais plus c'est quoi. N'empêche, faut vraiment du génie, quand même, pour pouvoir inventer des trucs comme ça. Alors ça, j'ai déjà vu ce style de lunettes, mais avec une autre vidéo en fait. Pareil, le mec il regardait je sais plus quoi, des lumières, il mettait les lunettes et il voyait... voilà, il voyait une animation comme ça. C'est stylé en tout cas. Je sais absolument pas comment c'est fait.
Je serais incapable de vous l'expliquer. Impossible. Impossible. Attends. Il y a forcément un trucage quelque part. Soit il y a un tuyau invisible qui passe, enfin tu... C'est physiquement impossible. Oui, bah ça c'est connu. Et ça j'en avais un, ça, quand j'étais gamin, je m'en souviens. Yes. J'avais un machin comme ça. C'est stylé, je m'amusais tout le temps avec et tout. C'est des mécanismes genre... pas infinis, mais presque infinis, quoi, tu vois. C'est des trucs qui mettent v'là le temps à s'arrêter et tout. Oh, excellent. Un petit coffre-fort. Ah yes. On dirait une mine à fragmentation et tout. Oh, ça, c'est stylé. J'ai déjà vu des vidéos comme ça, là. Genre, vous savez, c'est des vidéos satisfaisantes et tout. Pareil, là-dessus, je suis omnibulé quand je regarde ça, moi. Je regarde ça la bouche ouverte, la bave aux lèvres. C'est un truc de fou, quand même, hein. Le sable... Du sable magique. J'en ai, en plus, du sable magique. Alors, pas le même que celui-ci, hein, mais... Le sien, apparemment, il le met dans l'eau, il le ressort à la cuillère, il est tout sec. Stylé. Stylé, sa petite roue, là. Ah, il y a vraiment des mecs, mais... Je vous dis, c'est des génies de ouf. Par contre, tu te déplaces avec ça, laisse tomber. Ah, yes. Trop stylé. Excellent. Un petit phare, comme ça et tout. J'adore les phares. Vraiment. Que, je sais pas, je... J'éprouve quelque chose pour les phares. Je sais, c'est bizarre. J'en ai d'ailleurs un sur ma bannière. J'adore. C'est des monuments que j'adore, voilà. Oh yes. Oh, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir sur les réseaux sociaux. Sûrement. En tout cas, c'est stylé. Ah d'accord, ça marche avec... D'accord. Ok. Je vois à peu près comment que ça marche. De toute façon, c'est un projecteur. Et puis, à mon avis, il doit détecter les reliefs sur la carte. Enfin, c'est super bien fait, quoi. What? C'est quoi? On dirait du slime. Oh, excellent. Terrible. On dirait du slime, mais va vachement fluidifié. Tu vois ce que je veux dire? Ah, yes. Alors tout ce qu'on voit là, bon bien sûr, ça reste, c'est des gadgets, des jouets quoi, tu vois ce que je veux dire. Après il n'y a pas forcément des jouets pour enfants, hein, tout ce qu'on voit, mais voilà, ça reste, oui, des jouets, des gadgets. Ça j'ai pas trop compris. Ah yes, ah oui, oui oui, d'accord, d'accord. Ah ça j'en avais un truc comme ça, un espèce de truc comme ça, tu vois, voilà. Ça marche avec un système de miroir à l'intérieur, c'est pas non plus très compliqué, mais ça donne quelque chose de stylé. Ça aussi c'est connu, ça c'est connu. Il me semble que Nozman a fait une vidéo là-dessus. Me semble-t-il. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'il a déjà parlé d'un truc comme ça. C'est l'effet de friction parfaite quoi, tu vois. L'effet de friction est tellement parfait qu'il laisse passer à peine d'air entre la bille et le cylindre. Et c'est ce qui fait que la bille descend vraiment très lentement. Ah yes. Yes, stylé. Vraiment très stylé. C'est ultra kiffant. J'espère vraiment que vous kiffez à regarder des trucs comme ça avec moi. Parce que vraiment, moi, je vous dis, mais j'adore. Je suis fasciné par des trucs comme ça ou quoi. What the fuck? Ah ouais, il est en vert le machin? Ah, c'est stylé. Ah yes. Ultra stylé, quoi. Ah, ça, c'est des systèmes de mécanique infinis, ça, tu vois. Voilà. Et je m'en souviens quand j'étais gamin. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a toujours. Chez mes parents, j'avais une espèce d'horloge mécanique. C'était une horloge avec des billes. Et toutes les minutes, il y avait une bille qui tombait. Et toutes les heures, ça faisait v'là un gros mécanisme qui se mettait en route avec des billes et tout. Enfin, c'était super... C'était vraiment super bien fait, ce truc-là. Je sais plus si... Si on l'a toujours ou quoi. Ah ouais. Ah yes. Il est magique son porte-monnaie. Oui, là par contre je vois pas spécialement la magie, je crois. Je pense plus qu'il y a une arnaque quelque part, tu vois. Le truc qui s'ouvre un petit peu de tous les côtés. Il y a beaucoup de vidéos qui proviennent de Physique Fun, vous voyez.
Il y a la source en bas à gauche là. Ah, stylé, mais ça je connais ça. Mais ça je connais, mais c'est vieux ce machin. Il me semble que j'avais un truc comme ça avant. Je sais plus, mais je suis presque sûr que j'avais un machin comme ça. Magnifique. J'adore ce style de vidéo, vraiment. Écoutez les gens, je vous laisse sur cette image que j'ai vraiment kiffé. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez kiffé avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr le petit soutien, le petit like, et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas également à me faire des suggestions de vidéos dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas qu'on est en live tous les mercredis à partir de 14h sur la chaîne Twitch. Tout est dans la description, je vous invite également à venir rejoindre la chaîne secondaire. Et bien sûr, le mot de la fin, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A avec le code JOLAT. Tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine et... ciao tout le monde, bye bye!